bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le numéro 14 des calendriers. Oui, je sais, c'est compliqué là, franchement, c'est compliqué. Numéro 14 du calendrier de l'Avent, The Body Shop, Rituals et Action. J'ai noté les petites questions que vous m'avez posées et du coup, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je parle dans la prochaine vidéo. Et c'est parti, on y va. Là, la question, c'était quel genre de petite fille j'étais quand j'étais petite. J'ai du mal à m'en souvenir, mais j'étais une petite fille plutôt discrète et j'étais une petite fille plutôt triste, on va dire, en sociabilité. Après, c'est compliqué. J'ai jamais abordé le sujet avec vous, mais en fait, grosso modo, ce qui s'est passé avec ma maman, vous le savez, ma Josie, mon frère, c'est mon demi-frère, on n'a pas le même papa. Mais en fait, ce qui s'est passé, grosso modo, avec ma maman, c'est que à l'âge de mes... si, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, mais à l'âge de mes 6 ans, elle est partie. on habitait en Bretagne à l'époque, elle était déjà divorcée de mon papa, mais grosso modo, elle m'a pris, moi, et elle m'a offert, je vous l'avais dit, hein, mais le nounours qui est juste là, hop là, mais elle m'a pris, et puis on s'est barré comme ça, du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, chez mon beau-père, donc du coup, le père de mon frère, donc du jour au lendemain, donc forcément, hein, t'es un petit peu chamboulé. Et puis, changement d'école, machin, on a vu que même si c'est bizarre, mais j'ai pas de souvenir de la Bretagne. Je me souviens qu'une fois, j'étais tombée sur les genoux et c'était dégueulasse, j'étais en coulant et puis on m'avait fait un espèce de sparadrap mais en gardant le coulant, enfin c'était une horreur. Je me souviens qu'une fois, il y avait des trottinettes, mais personne ne voulait me prêter, enfin des vélos, personne ne voulait me prêter le vélo. Je me souviens qu'une fois, il y avait des têtards qui s'étaient transformés en grenouilles, mais j'ai pas de souvenirs concrets en fait. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est qu'on arrivait du coup en région parisienne, et il faut que j'ouvre mes calendriers de l'avant, en région parisienne, et j'étais une petite fille, ouais. En fait, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, j'ai toujours eu une amie en règle générale ou deux, mais voilà, j'ai jamais eu énormément d'amis. Le numéro 14, il est où? Il est juste là, devant mes yeux. Hop, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Après, le truc aussi, ce qui se passait, c'est que on habitait dans une toute petite maison, parce que du coup, ma mère, elle est allée directement chez mon beau-père, tu vois. Et voilà, c'était une petite maison, il n'y avait qu'une seule chambre, je dormais dans le canapé, j'ai dormi dans le canapé pendant 2 ans. J'étais bien dans mon canapé, hein, quand il n'y avait pas de puce. Mais voilà, c'était assez compliqué. Oh bah là, c'est l'apocalypse, hein. T'as la petite fleur de douche, là, t'es obligé d'avoir une lime à ongles et une fleur de douche dans chaque calendrier. Mais voilà, la fleur de douche, voilà. Elle ressemble à rien, en plus. Elle sent bon. Mais voilà, une petite... Tu sais quoi, je vais la donner à la petite chouquette. Ce sera sa petite fleur de douche, personnelle. Une fleur de douche, ok. Donc ouais, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était... C'était pas la misère non plus, parce que j'ai jamais été triste. Je vous l'ai dit, j'ai jamais été triste par rapport à ma famille. Mais c'était, voilà, déjà t'as pas ta chambre, t'as pas 40 000 Barbie. Quoique si, j'avais 40 000 Barbie parce que t'avais mes grands-parents qui me gâtaient de ouf, tu vois, et qui essayaient de compenser un petit peu les futilités de ma mère. Je crois qu'ils appelaient ça comme ça, mais voilà. C'est vrai que partir avec ta gamine sous le bras du jour au lendemain, te barrer, faire 500 bornes pour aller vivre chez ton copain de l'époque et lui faire un enfant un an après, c'est... une certaine futilité, on peut le dire, hein. Mais voilà, donc j'étais une petite fille assez triste. Je vous l'ai dit, pas avec la famille, mais plus à l'école ou ce genre de choses. J'étais plutôt discrète, il y avait beaucoup de gens qui se... Je sais pas s'ils se moquaient de moi, mais j'étais... Même moi, j'avais pas envie d'aller avec les autres et j'avais pas... Oh, on va pleurer dans les chaumières ou c'est comment? Ouais, j'avais pas particulièrement d'amis à part Eva. Eva, si tu passes par là, mais big up. À part Eva, où j'allais chez elle, où on écoutait des cassettes de Disney, d'Aladin. Mais je sais qu'une fois, j'avais volé une Polly Pocket parce que moi, je voulais absolument les Polly Pocket. Mais ouais, j'avais pas énormément d'amis. Il y avait une fille, là, la saleté, là, qui m'avait fait... Je voulais un truc, tu vois, mais elle m'a dit je te l'échange contre un paquet de bonbons, mais elle me l'a jamais échangé. Donc tous les jours, moi, je ramenais un paquet de bonbons, elle me donnait jamais le truc, tu vois. Normalement, j'ai compris la douille, tu vois, mais ouais. Après, c'était pas que j'étais triste, en fait, le mot. C'est dur de se souvenir de ça parce que ça fait longtemps, hein, mais je pense pas que j'étais triste, mais j'étais plutôt solitaire, en fait, dans ma tête.
C'est assez particulier. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que mon frère, du coup, est arrivé. Parce que à l'époque de tes 6 ans, 7 ans, c'est là où tu te souviens vraiment des choses, où c'est ancré, tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, que mon petit frère est arrivé. Et du coup, vu que j'avais pas de base solide, on va dire, avant mes 6 ans, et tu sais, voilà quoi. J'ai pas du tout parlé. Et du coup, j'étais tout le temps avec mon frère, en fait, j'étais tout le temps avec mon frère, même si du coup, lui était tout petit, mais voilà. Pas énormément d'amis, j'étais bien comme ça. Et souvent avec mes grands-parents, je kiffais aller chez mes grands-parents. Et sinon, ouais, tout le temps avec mon frère. Ouais, j'étais quelqu'un de plutôt solitaire. Après, j'ai jamais eu de violence. Après, à l'école, hein, il y a 30 ans, c'était pas du tout la même que maintenant. Mais j'ai jamais eu de violence. Je me suis jamais fait taper. Je me suis jamais fait voler. J'ai jamais rien eu de ouf. Pourtant, on habitait. Enfin, pourtant, il y a. Voilà, mais on habitait aux Ulysses. Donc, c'est pas. Les Ulysses, c'est pas le. Voilà, c'est pas le coin, la zone de ouf, mais c'est pas non plus le quartier le plus calme. Et quoique maintenant ça a bien changé, mais enfin maintenant je pense que c'est plus bourgeois, tu vois. Mais bref, non, j'ai jamais eu de malheur, mais j'ai jamais été une petite fille à faire des caprices, des trucs comme ça, à être gâtée de ouf, malade mentale, à plus en pouvoir. Mais pour autant, j'ai jamais eu de. J'ai la seule tro le seule chose sur laquelle j'étais envieuse de mes amis, c'était par exemple de mon mec de l'époque, que lui il avait la belle maison sympa, papa, maman, le chien, les frères, les sœurs, tu vois. J'ai toujours été envieuse de ça en fait, de ce domaine, de ce cocon familial que moi je n'ai pas eu, mais c'était pas pour autant que j'étais triste en fait, et c'était pas pour autant que j'étais triste de pas avoir eu certaines choses. Enfin, t'es envieuse, mais t'es pas triste. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, c'est compliqué, hein, j'ai du mal à m'exprimer par rapport à ça, mais voilà, j'ai jamais eu de malheur dans ma jeunesse. Mon papa est décédé quand j'avais 12 ans, mais je vous dis, ils étaient déjà divorcés, mon père et ma mère, et je voyais mon papa seulement pendant les vacances, vu qu'il habitait en Bretagne. Mais ouais, voilà, j'ai jamais été une enfant pourri gâtée, mais jamais été une enfant. Qui n'avait rien, enfin j'étais une enfant normale en fait, et qui, voilà, j'avais pas des Nike aux pieds, des machins, des trucs, mais pour autant, ma maman, si je lui demandais de m'acheter une doudoune wannabe, à l'époque c'était la mode, bah elle m'achetait la doudoune wannabe, tu vois ce que je veux dire? Mais pour autant, j'avais la valeur des choses en fait, voilà, grosso modo, et on allait souvent manger au McDo, j'avais souvent d'Happy Meal, j'avais plein de jouets Happy Meal, enfin, voilà, je pense que j'étais pile poil, juste au milieu, bien comme il faut, et franchement, je me kiffe, je me kiffe, et j'aimerais que la petite Chouquette elle ait la même kiffage que moi quand elle était petite. Voilà, comme ça vous voyez à peu près le style d'enfant que j'étais. Je sais, mais du coup je me perds avec ces conneries. Ok, numéro 14, ok. Sinon, vous m'avez demandé quel était mon plus beau souvenir justement d'enfance. Et Noël en fait, mon plus beau souvenir de Noël et tout. Numéro 14, comme ceci. Alors, ce qui était relou à Noël, franchement, c'est que, après ça, tu te souviens quand t'es un petit peu plus grande, c'est que du coup, on allait chez la famille de mon beau-père et c'était chiant parce que c'était les repas de famille qui durent 30 ans, que t'en as marre. Alors, moi, ce que je kiffais quand j'allais au repas de famille de là, c'est qu'on allait jouer. Du coup, on se dépêchait de manger et en fait, ensuite, on se barrait dans la chambre de Manu, qui était un grand cousin, du coup, à mon frère. Manu, en fait, grosso modo, c'était le fils de la sœur de mon beau-père, ok? Et on allait jouer là-haut, on était bien, on jouait à la Super Nintendo, on jouait à Aladdin, tu vois. On y jouait une fois à l'année, parce qu'on n'avait pas encore la console. Des fois on avait des consoles, mais en fait quand c'était l'époque de la PlayStation, nous on avait la Super Nintendo. Quand c'était l'école de la PlayStation 2, on avait la PlayStation 1, tu vois un peu l'idée. Et donc voilà, les Noëls c'était ça, donc c'était assez chiant, c'était assez relou, j'aimais pas, j'aimais. Casse-couille. Non, c'était casse-bonbon. Bon, numéro 14. Sinon, le plus beau Noël de ma vie, en fait, de mon enfance, on va dire, parce que de ma vie. Alors, de ma vie, je pense que ça va être quand on était avec mon frère, qu'on habitait tous les deux à Sucy-en-Brie. Et en fait, on s'était fait. C'était. Ouais, notre maman était décédée. C'était l'année où notre maman est décédée. Et là, on a fait péter le budget de Noël, vu. Parce qu'au final, on a que nous, en fait. Parce que je vous ai pas dit, mais le papa de mon frère aussi est décédé. Si vous le savez pas. Et donc, en fait, la famille, on a que nous. Parce que mes grands-parents sont décédés aussi. Enfin, tout le monde est mort. On rigole pas. Putain, je suis vraiment conne. Oh là là. La dernière fois, j'ai rigolé un peu trop de la mort, et c'est vrai qu'on rigole pas de la mort, c'est pas drôle. Mais des fois, je rigole un peu de la mort parce que c'est plus facile, c'est peut-être beaucoup mieux pour moi quand je vous dise que tout le monde est décédé, plutôt que je vous dise ouais, bah tout le monde est mort,
et de vous faire chialer. Enfin, tu vois, un peu l'idée. Bref, désolé pour les personnes que ça choque si je parle comme ça de la mort, mais sachez que si je vous parle vraiment de la mort, comment je le sens par rapport à mes parents qui sont décédés et tout le monde qui est décédé, je me mets à chialer et tout le monde chiale, et je pense que ce sera pas, voilà, ce sera pas la bonne ambiance à la maison. Mais voilà, sachez que je ne parle pas de la mort à la légère comme ça, et qu'à l'intérieur de mon cœur, c'est pas la même chose que quand je vous le transmette. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je fais des gros bisous et des énormes. Putain, faut pas que je me mette à chialer, tu vois? Tu vois ce que ça fait? Mais voilà, je fais des grosses, grosses pensées à des gens qui ont perdu des êtres chers. Et voilà, c'est dur de penser à ça et se dire que. Tu sais pas, mais je me dis. Eh, vous savez quoi, les gars? On se dit que ma maman, elle est avec mon papa là-haut et qu'elle est avec la petite Aline et qu'ils sont bien, en fait, tu vois? Qu'ils sont bien et c'est la seule chose qu'on puisse faire, sinon on est fini. On est fini, voilà. Et voilà, des gros bisous aux gens qui ont perdu des êtres chers. Surtout qu'en période de Noël, c'est pas facile pour tout le monde. Bref, pour revenir à nos moutons, vu que tout le monde est mort, on aime, on adore, bah en fait, avec mon frère, en fait, on fait avec ce qui nous reste, et ben bah, on se kiffe de ouf, et on s'était fait un Noël, mais t'en pouvais plus ta maman, t'en pouvais plus ta mère, on avait pété le budget, on avait tout pété, et on était que tous les deux, et on avait passé, on s'était mis une petite charasse, je crois, mais on avait kiffé notre Noël et tout, c'était l'orgie des cadeaux, on avait kiffé de ouf. Donc, numéro 14 de The Body Shop. Donc ça, c'était le plus beau Noël. Donc je pense que je me souviens plus de la date exactement où ma mère elle est morte, mais c'était Noël qui. Ah, ça pue! Ça sent le café. Enfin, si, ça sent bon, mais ça sent le café. C'est quoi? C'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il n'y a que des écritures. Oh putain, mes yeux. Marie-Thérèse. 5 à 10 minutes de quoi? C'est marqué en anglais. Rincer après 5 à 10 minutes. Masque visage. Rincer après 5 à 10 minutes. Ah ouais, bah c'est au café. Oh, je suis con, c'est marqué juste là. Oh, Mireille, t'es pas prête. Masque réveil intense au café. Tu lui ouvres? Je vais me tester. Bon, testera, c'est top. Sinon, meilleur Noël que j'ai passé quand j'étais petite, je pense que c'était avec mes grands-parents, en fait. Alors, je kiffais passer Noël chez mes grands-parents. Et ce qu'on faisait, en fait, c'était qu'on allait. Mes grands-parents étaient très, très, très chrétiens. Enfin, ils n'étaient pas très, très, très chrétiens. Enfin, ils étaient très. Coutume ou tout ce que tu veux, enfin ils respectaient les traditions de leur religion, je sais pas du tout comment on dit, mais en fait grosso modo du coup on allait à la messe de minuit, qui n'est pas forcément à minuit, mais on allait à la messe de minuit, et il y avait ma tante, donc leur fille, vu que mon père était déjà décédé, il y avait leur fille qui restait à la maison. Éloigner les enfants hein, si sont par là. Donc il y avait leur fille qui rentrait à la maison et nous on allait à la messe de minuit. Il est né le divin enfant de. Jouer au bois, résonner, musette, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Voilà, on kiffait, enfin, moi je kiffais, enfin j'aimais bien chanter, enfin, j'aimais bien la messe de minuit, hein, même si j'ai pas fait ma communion et que mon grand-père me traitait de païenne, gentiment. Et quand on rentrait, oh, c'était ouf! Le Père Noël était passé. Le Père Noël était passé. Donc là, c'était l'orgie. J'étais l'orgie. Heureusement que j'ai eu mes grands-parents parce que. Enfin, heureusement. Mais. Bref, hein. Viviane et Jean-Baptiste, là-haut, hein, où vous êtes avec tout le reste. Oui, avec tous les autres. Mais je les ai kiffés de ouf parce qu'ils me faisaient passer des Noëls de ouf. Alors déjà, j'aimais trop la tradition de. Oh, le Père Noël, il est passé, et nous, on était à la messe, mais on n'aurait pas dû aller à la messe. Ah il y avait des Polly Pockets, des Barbie à foison à côté du feu, et puis on prenait un petit chocolat chaud en bouffant des clémentines. C'était juste trop bien, c'était juste trop bien, mais je kiffais de ouf. Et quand j'ai ouvert la Polly Pocket avec le château là, j'étais en nage, j'étais en nage. Voilà, je kiffais de ouf, c'est ce genre de Noël-là. Et du coup, le lendemain matin, je crois que t'avais bah, du coup le Noël dans la grande salle, et nananienne. La grande salle, oui madame. Le numéro 14 de The Body Shop, de The Rituals. Tout petit. Et voilà, donc ouais, les plus beaux Noëls, quand j'étais enfant, c'était avec mes grands-parents. C'était chez eux, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Par contre, j'ai pas eu encore de sapin. Un plein. Rituals of Namasté, glow, anti-âge, ampoule booster. Ah bah dis donc, là, vous partez en sucette, hein. Je sais pas si vous avez vu mon vlog, mais je me suis acheté un baume à lèvres Rituals et je kiffe de ouf. Mais là, si c'est. Non, je vais la péter. Une petite ampoule. Ouais, super. Petite ampoule. Alors là, j'espère que ça va me booster de ouf. Hein. Ok, bah, je vais regarder comment ça s'utilise.
Mais voilà, une petite ampoule. Ok, petit résumé. On a eu une petite ampoule. Je sais pas, voilà. Un petit masque, ça c'est nickel. Un petit masque et on a eu... Voilà, le petit résumé des cadeaux. Je suis pas emballée de ouf. Bref, les loulous, en tout cas, moi, j'espère que mes questions vous ont plu. Enfin, j'espère que le thème vous a plu. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc, je kiffe, voilà. Je kiffe quand vous me laissez des petits sujets. Allez voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent quel métier je fais. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, parce que ça va 2 minutes. Et à vous abonner juste là, si ça vous dit. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh!